Et bonjour à tous. Regarde. Bonjour à toi, Kaxips. Et l'autre, je pense que c'est un bot, ou peut-être pas, Nintendo Switch. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être que vous m'avez trouvé d'ailleurs maintenant, car je commence à apparaître du coup sur le Discord de la FFG. Je débute en streaming du coup. Bon, si je bug un peu niveau voix, tout ça, c'est normal. L'aisance n'est pas forcément au rendez-vous au début. Mais je me disais que c'était bien de faire quelques petites parties de Go comme ça, tranquillement. À mon niveau, un dan KGS. Donc tranquillement, voilà. Je vais lancer tout de suite, je pense. Je vais surtout retirer mon pull, en fait, il fait chaud. Tac tac tac. Je vais trouver une petite musique. Et ensuite, lancer directement une partie. Voilà qui fait. Et ensuite, nouvelle partie. Entre deux Dan et un Q du coup. 30 minutes, tac tac, nickel. Je vais essayer de programmer aussi. Peut-être jouer ailleurs que sur KGS parce que ça met du temps à trouver des gens en général. Donc je vais essayer de voir ça un peu. Je suis inscrit sur Fox, du coup, niveau 3 Dan, c'est le niveau maximum. Et on m'a dit, c'était Thérapie l'autre jour qui m'a dit que du coup je pourrais atteindre 4-5 Dan parce que le niveau est plus souple. Ça, on verra. Et sinon, il y a OGS où je suis un Dan également. Donc c'est à peu près kiff-kiff ça. Et c'est un peu le niveau de la musique. Tirer ça. Oula, on voit rien en fait. Ouais, bon, à cause du soleil. Peut-être lancer l'automatch sinon tout simplement. Je sais plus si c'est 20 ou 25 minutes en automatch, mais c'est déjà ça. Il devrait mettre plus genre partie longue. Salut Kapai, bienvenue à toi. Automatch. Ouais voilà, ça trouve direct automatch. Hop. Voilà. Et du coup je suis contre un Q. Ying, un chinois qui vient de passer un Q récemment, enfin récemment, il y a 2-3 mois, et qui est. Ouais, il est en bas d'un Q, on va dire. On va voir ça. Dites-moi si la musique est trop forte ou quoi que ce soit. On va jouer comme ça. Ok. Ici il est plat donc ça me gêne pas de l'amener vers là parce qu'au pire il sera écrasé. Et mes pierres sont vers là donc direction pour faire du sens avec mes pierres. Moi je vais vers là, je pense que c'est pas mauvais. Il faudra que je fasse attention rapidement parce que être surconcentré sur un bord, bon, on n'a pas trop envie quoi. À moi maintenant, donc on pourrait faire ça. Ça serait pas mal, pourquoi? Parce que. Ça plutôt. Parce que ça fait un mur. Bah ça répond, ça fait une extension au mur. Et en même temps, ça pince la pierre, ça punit un peu le fait d'avoir Tenuki. Et d'un autre côté, j'aime pas trop. Parce que justement, encore une fois, toutes mes pierres, je les joue sur le même côté. Et là, il peut encore ignorer si je pince. Il peut encore ignorer, parce que il reste encore une sortie vers l'extérieur. Et une possible vie dans le coin. Donc en fait, s'il fait Tsunuki, bah il se dit juste, vas-y, surconcentre-toi. Et là, il fait quoi? Il fait, on va dire, F17, quoi. Et si après, je vais encore la prendre, bah, même s'il joue un R14, finalement, j'aurais pris ça, cool. Et lui, il sera installé partout.
Je pense qu'il faut que je t'enouki. Je dis peut-être une connerie, mais... Oh, elle est là. Je pense qu'il va jouer... Pour le coup, là, à l'inverse, c'est le même principe. C'est après, il rajoute encore des coups et tout. Je peux avoir le scorpion. Donc ce mur, il est tranquille pour l'instant, quoi. Je peux encore changer les directions, tout ça, quoi. Donc à mon tour, je vais prendre le Sansan. Et on voit d'ailleurs que si je prends le coin et qu'il monte, son extension est trop loin. Donc il y a un problème. Simplement. D'accord. Donc maintenant, ça se joue effectivement, mais c'est si on veut faire le double année. Sauf que là, comme je viens de jouer là, la séquence où on fait double année, il récupère le coin, mais il est goté. Et moi, ça me laisse un Ponuki sur l'extérieur. Et là, je serais très content si cette séquence se joue, parce que je pourrais jouer D15. L'écrasement, qui continuera un gros écrasement ici, et un gros potentiel là. Donc je pense que c'est une erreur. Mais bon. Après, peut-être qu'il va continuer en... Non. Bah, je pense que c'est une erreur de sa part. Après, vu son coup en K3, je pense que quand je vais faire l'écrasement, il va plutôt essayer de faire un truc par là. En mode jaloux. Si, je peux aussi choisir des là, mais... En vrai, il fait une pince haute. Non, je pense que c'est pas mal de faire ça. De toute manière, même s'il n'y avait rien en face, écraser des deux côtés, c'est quand même super agréable. Et là, souvent, on fait B13 maintenant. Ça me donne juste envie de continuer une fois. Ok. Et là, je vais plutôt tenouki. Donc. Les choix. Soit je remonte, je continue à monter ici, c'est assez gros. Surtout que plus tard, si j'ai un coup qui se rajoute ici, ben, on va commencer à faire attention à la sortie. Ça réveille pas mal de PJ. Mais j'aime bien aussi ben, rien que prendre ce coup là et après mettre de la pression parce que ça serait trop large. Ou prendre position sur le bord qui reste assez large. Le problème c'est que aller vers là, ça invite carrément d'aller lui en N15. Et ça me ferait chier. Je pense que je vais monter. Ça semble lent, mais je me dis que c'est peut-être le bon coup. Parce que de toute façon, s'il fait... Ouais, bon, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est bizarre. Il est pas en retard, en fait, donc c'est bizarre de faire ça. Genre, s'il venait en R8, il joue avec son mur, il va au maximum, et bah, il peut se passer des choses, quoi. C'est un peu bizarre de faire ça. J'ai envie de le guider vers ça, pour qu'il y ait justement des bêtises et tout. On va faire le Boshi, du coup. Il va penser à cette sortie, je pense. Ou alors il va s'installer, mais c'est peut-être pas très bon. Il risque de réveiller des faiblesses plus qu'autre chose. Parce que maintenant... Prochain coup, il aura peut-être envie de jouer ça. Je sais pas. En fait, là, si je joue D16... Ça va commencer à vachement réveiller les adjets qu'il y a ici. Tac, tac, je vais là. S'il prend la pierre, tac. Et là, bah, je prends les deux pierres en fait et tout le coin. Énorme. Donc, quand je vais ici, s'il protège là. Mais là, je peux encore continuer à écraser énormément. Ou même juste sortir, voilà, que je suis bien. Et c'est ces deux pierres qui sont isolées. Sachant qu'il n'a pas encore résolu le problème. Voilà, il fait ça, mais là, il ne peut pas connecter. Du coup, ben cool, mais ce coup-là, ben, c'était goté, du coup, ben, c'était pas fou. Comment est-ce qu'on attaque maintenant? Là, c'est peut-être un peu trop bourrin. Dans la forme, peut-être, parce que s'il joue ici, il a sa tête d'âne, donc il est content. Tête de cheval. Il joue là, il joue, ben il sort, hein. Genre avec la forme de la fleur. Ah, il serait bien content de faire ça, peut-être.
Un coup comme ça, peut-être. Après, il tenterait peut-être d'avoir la vie absolument, tac, tac, tac. C'est pas là. Je vais changer ça. Jouer ça tranquille. Je sais pas du tout hein, si c'était plutôt K18. Ah ouais. C'est pas. Je sais pas quoi en penser de son coup. Parce que là, ça me donne ça et là, c'est un peu le désastreux. Sauf que c'est un faux œil. Là, je suis très content de prendre ça. Pense qu'il devait sortir directement. Mais en même temps, c'est là, au début, je voulais le faire sortir pour jouer sur ses faiblesses. Ok, donc si je vais de ce côté, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Non. Là, ça peut carrément lui retirer même encore un œil. Qu'il fait. Ah, et du coup il sort. La partie est pas facile pour lui. Du coup je vais là. S'il coupe, je fais juste un hobby, sagement. Parce que de toute façon maintenant ça c'est déjà 100% vivant. Je risque plus rien. Et avec ses libertés, ça va commencer à être compliqué ici, si je vous trouve. Faut que je reste vigilant, parce que là, la partie se joue ici, un peu. Enfin, pour lui, en tout cas. C'est maintenant qu'il réfléchit, c'est dommage. Il avait pas besoin de venir profondément comme ça et tout, c'est dommage franchement. Bon, alors. Il faut déjà, première observation, j'ai l'impression que là, du coup, ça me donne ça presque gratuitement, et j'ai l'impression que les coups qu'il pouvait avoir par là et tout, il les enlève en fait. Après, peut-être que c'est un très bon coup si ça lui donne un œil ici, par exemple. Bon, cela dit, cet œil-là, il est goté, parce qu'il joue là, je capture, et après, il doit rajouter un coup. Et encore, je peux lancer un coup si je suis en chien. Donc on va jouer tranquillement. Ok. Ok. Je pense pas qu'il puisse gagner le course aux libertés là et tout. On prend, on accepte. Ok. Oups, je prends.
T'as intérêt à marcher parce que là il me donne une force énorme quoi. Ben. Oui, ben l'âge de jeu là. Il joue l'Atari. Il joue là. Et là il est obligé de jouer là. Aussi bien ça passe hein, son truc, hein, j'ai pas. J'ai combien de liberté que ça? Ouais. C'est pas très bon ce que je suis en train de faire. Non, il est bon. Ok. Bon, j'ai fait la merde. C'est dommage. On va jouer ici, du coup. On va essayer de profiter de ce truc. J'ai fait de la merde ici, là. Je pense que je pouvais tuer. C'est dommage. À quel moment j'ai été trop... Peut-être dans la séquence ici. J'étais trop... Ah, il va continuer jalousie tout le long, quoi. Ok, on pince. Si je vais là, il va là, il est content, tac. Est-ce que je reculerai pas tout simplement? Non, je te joue là. Ok. Okay, la table. Reconnecter nos pierres. Il fait ça, ok. La gueule de tigre. Là, s'il me renforce trop ici, je pourrais attaquer violemment les pierres en bas. On pousse. Parce qu'à l'année, peut faire l'année à la tête de pierre, ça serait chiant pour lui. Hop. Il essaie de s'occuper de tout en même temps. Okay. Cherche la coupe. On va venir ici. Tac tac tac. Réussir à pas gagner cette partie, ça va être incroyable. C'est bête, il fait des coups très abusifs et ça résume pas mal mes dernières parties où l'adversaire fait des coups. On sait que c'est qu'il y a pas mal de coups mauvais. Mais j'ai pas le recul de punir en fait. Bah, je n'arrive pas à bien saisir le chose. Là, regarde, là par exemple, là c'est vraiment couper pour couper. Bon, c'est que du blanc à l'extérieur.
Je vais réussir là à ne pas m'en sortir quoi. C'est un peu triste quand même. Ouais, c'est un peu scandaleux. Hop, hop, hop. Aïe, aïe, aïe. Je vais perdre cette partie. J'ai là beaucoup trop de points. Bon, allez, j'abandonne. C'est bête, je trouve. C'est très bête. Jamais je dois perdre ça. Hein. Hop. On va regarder la partie. On va regarder juste les erreurs de blanc. Et voilà. De la partie, ma première erreur, c'est venir en Sensen. Ok. Parce que oui, s'il va là, du coup, maintenant, ça sert plus à rien mes push. Okay. J'ai eu la chance qu'il fasse dans ce sens-là. Et qu'il fasse la mauvaise séquence. Le groupe noir au centre. Celui-là? Là, je peux pas le tuer, en fait. Même si je fais ça... En fait, on peut pas le tuer. Là, l'ordi, il me dira que non, c'est pas... C'est pas tuable, en fait. Il y aura deux yeux, en fait. C'est là... J'ai eu un misread, d'ailleurs, aussi. C'est... dans ma tête, c'était... Il y a pas d'œil ici. Bah si, il y en a un. C'est pour ça que... J'ai pas été assez violent, je pense, les deux séquences, en fait. Alors que, clairement... Ça méritait de punir quoi. Hop. Donc ouais, j'ai eu une première erreur en jouant le Sensen ici, c'était trop tôt, je dois d'abord toucher. La deuxième erreur c'est... Ok, intéressant de voir que le coup ici, c'est le bon coup à faire mais je l'ai fait plus tard. J'ai d'abord fait ça, et du coup je l'ai trop renforcé parce que plus tard en fait du coup c'est le... Ça lui laisse la possibilité de jouer ça, ou quand il a sa pierre ici en fait. Ah mince, je vais plutôt montrer la séquence normale. Quand je joue là en fait, je m'attendais aussi bien à ce qu'il pousse comme ça, et qu'il essaie de vivre et voilà ça quoi. Donc c'était pas l'idéal. Donc j'aurais pas dû le renforcer inutilement ici. Ici je joue ça. Bon, quelle est ma prochaine grosse erreur? Prochaine grosse erreur c'est ici. Je coupe comme ça. Ah bah oui, parce que ici il peut pas connecter. Bref. Un peu stupide. Je lis pas assez. Pourtant je prends du temps, mais je... C'est dommage. Tac. Voilà, c'est ici où il y a le tournant de la partie, je pense. Je joue ça, c'est trop tendre. Ça. Ouais, il peut sortir quand même. Ah. Où est-ce que j'ai loupé en fait? Je comprends pas en fait à quel moment la partie a été si dure pour moi. Parce que là il est devant tout le long. Alors que... Ah c'est dur, il est devant tout le long alors que... Ben... Je fais pas des grosses erreurs ici. Et ici c'est le bon coup à faire. Là, je dois aller de ce côté. Ça c'est une grosse erreur, ok. Mais c'est, ça me prolonge pas non plus, ça me balance pas la game quoi, non plus de faire ça quoi. Bizarre. Un peu de mal voir quand est-ce que j'ai merdé quoi. Après la partie est toujours un peu serrée ici, mais... Ici il faut bien capturer. Là il fait ça. Et blanc est obligé de sortir là. Tac. Et même si je joue là par exemple, ça peut passer ça. Ah. C'est con. D'abord faire ça, ok. En capture, ouais c'est vrai qu'il y a pas mal de menaces de coups.
Ce coup, il est important. Hein. Quand il a pu l'avoir, ça a tout changé. Et là, on fait ça. Regarde juste quelle séquence ça pourrait donner. Blanc est bien à partir du moment où je suis vivant ici, en fait. Ouais, je suis trompé dans la séquence, quoi. C'est ça qui m'a plombé dans la partie. C'est dommage, parce que du coup, lui, il se conforte dans l'idée que si Blanc fait un truc très solide, ah bah, je peux aller dedans, de toute façon, sa vie. Donc ça... C'est bête pour lui, c'est bah, tant mieux pour lui, hein, ça fait une victoire. Mais par contre, dans l'idée, il va se dire que c'est bon, ça marche, quoi. Alors que normalement, non, c'est sûr, c'est seulement que moi, j'ai pas bien puni, quoi. C'est bête. Bref, on va regarder les erreurs suivantes plus loin de la partie. Ouais, noir est devant 17 points, quoi. Ouais. Bon, en fait, la partie est finie ici, quoi. On voit le graphe, c'est fini. On va voir ce que je fais. Bref. On va retourner au classique. Hop. Oh là, on voit rien. C'est incroyable. Non, bah non. Trop de lumière. Ah, pardon. C'est chiant. Tac. Une fois qu'il fait beau en plus. Et je me plains. Alors. En plus, il dit même pas merci à la fin de la partie. Aïe aïe aïe. On va créer une autre partie. Et au cas où, je lance ce match. Ok, ça va lancer. Hop là, contre un Dan. Bonne partie. On va faire ça. Essayer de changer un peu les ouvertures, c'est toujours la même chose. Ok, ça devient de plus en plus rare de voir ça. Très souvent, on voit l'écrasement, quoi, le coup à l'épaule. Non, j'ai du potentiel extérieur encore, donc. Il va descendre? Ok. Ouais, c'est original de faire ça maintenant. On va peut-être répondre un coup quand même. Et ok, il vient ici. Je pense pas que ce soit le meilleur coup, parce que c'est pas le bord le plus large déjà, rien que ça. Je pense qu'en vrai, il approche par là, je prends mon truc, c'est viable pour lui, hein, et après il rajoute un coup vers là, il a une bonne zone de confort. Faut pas que j'oublie cette pierre ici, si jamais... Si je fais ça et qu'il part là, Pierre n'aura plus de base de vie facile. C'est embêtant. Et en même temps, je vais là. Enfin, j'ai pas grand chose sur le bord. Sur ce bord là. Est-ce que c'est vraiment d'une grande utilité? J'aime bien ce coup-là par rapport à l'Ogema. C'est même pas un Ogema, c'est un Dai Dai Gamma là. C'est vraiment marrant, là. Je pense que là il faut sauter. C'est bizarre. Après il est vivant, c'est rassurant. Mais... Ouais, étrange quand même. Ouais bon, on va vivre. Je suis pas certain de mon dernier coup ici et là, je sais pas trop, mais en même temps faire un coup comme ça invite tellement à l'adversaire à venir. Ok, il vient ici.
Faut que je réponde, je pense. C'est chiant à répondre. Envie de rajouter un couvert là, quoi, ça a aucun potentiel. Mais en même temps, ce serait pire qu'il coupe mes pierres. Genre même rien que ce coup, c'est très chiant. Ici. Je crois qu'il faut monter. Là, il va tourner là. C'est quand c'est pas forcément folle. Du coup, après, en même temps, avec des coups comme ça, je peux avoir une belle influence ici. Merci pour le follow, pardon. Illumi Akira. Oh merde, putain, l'Atari d'abord. Ah putain, je suis de la merde. Ah merde, je regardais pas. Oh. Merci pour le follow. Ah putain, ça fait mal du coup, mais pire, ça va rien. La partie est tellement changée. J'aurais dû faire Atari d'abord, et j'avais pas ce... Quand je me laisse distraire en 2 secondes, c'est incroyable. Parce que là, je peux pas, en fait, j'ai rien. Oh, putain. Alors que l'attaque marchait, en fait, là, il était obligé de prendre là. Oh. Oh, je suis obligé de tourner, là, je suis obligé de respirer. C'est douloureux. Ah, fais chier. Ça change complètement tout, ouais, je suis d'accord. Aïe 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 aïe. Ouais, il l'a vu. La bête, la bête. Hein? On a un beau mur, hein, mais bon. C'est pas aussi satisfaisant qu'avant. Voilà, je pense qu'il va rajouter un coup au cas où. Oui, il peut faire ça. Ouais. Ça m'empêche pas de...
Il me semble que ça marchait un peu mieux avant avec le truc. Mais... Oh là là, du coup là il va se trimballer trois pierres du coup là, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça coupe pas mal. Sais pas si c'est si la partie est encore gagnable vraiment. Et il a pas non plus des milliers de points, mais j'ai pas de développement en fait, avec mes pierres. Alors que lui, il a encore ses deux chiens intacts. Ah, il veut vraiment les sauver celle-là? Je sais pas si elles ont un impact si gros, en fait ils devraient jouer ailleurs, je pense. Et au pire, plus tard, elles serviront quoi. C'est dans sa forme. Et moi, ça détruit un peu son potentiel, donc ça, je pense pas que ce soit mauvais, ce Toby. C'est la chaise. Ah, il veut vraiment jouer avec ses pierres et tout. Très bizarre, je trouve. Si je vais là, c'est que je veux couper et j'ai pas envie de couper tout de suite. Donc. Prendre ça, ça. J'ai besoin de points. C'est très étrange. Il a aucun potentiel de ce côté. Pourquoi il me pousse de ce côté-là? Sauf s'il fait le double année. Cela dit, ouais, bon, il va faire ça. Cela dit, du coup, c'est petit. Et me donner un Ponuki sur l'extérieur. Fait. Pas très bon ça, même son influence elle est pas. Et c'est plus. Là, Q2 ça se joue plus maintenant en fait. Ça renforce trop l'adversaire. Enfin, ouais, mais il fait un mur, mais. Il y a déjà plein de pierres au centre, ça va pas être le. Idéal quoi. Tant mieux pour moi, hein, mais. Rien qu'avec ça, son influence. Ouais, j'ai l'impression que ça c'est pas mal. Ça me permet de. Peut-être plus tard. Je pense que c'était une erreur ce qu'il a fait. Et en vrai, il me fait aller vers là. Et il fait un gros mur. Il ferme et il a une grosse. Un gros moyau quoi. Ok, il joue ça. Je vais là. Faites attention, ce coup ça peut être douloureux. Qu'est-ce qu'il fait? Merci pour le follow, Auréad. Bienvenue à toi. S'il va là, je vais là. Capture, je vais là. Vivant. C'est bon. Je peux faire chier. C'est bizarre, hein, son coup R1, tout ça. Super agressif. On va connecter, on va rester sage. J'ai failli penser au K2, mais bon. Je préfère pas réfléchir à la villa, Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas envie de connecter ici, j'ai l'impression. C'est vraiment bizarre. Je suis vivant. Un œil là, un œil là. Bon, il va tourner ici, ouais. Bon. Ok. Bon, on vit. Protège ta coupe, tout simplement. Et comme ça, t'as plus à regarder ailleurs. Ouais, voilà. Pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Et du coup, là, son mur, bon, il sert pas à grand-chose, quoi. Après, je fais pas de points, hein, mais... je pense que c'est important de couper vers là, parce que ce groupe-là va être fortement isolé. Et s'il veut absolument le sauver, il va détruire tout le potentiel qu'il a sur ce bord. Ok, il veut couper les pierres. Ouais, ça se coupe. Après, ça va. Il va être goté. Ici, je connecte de ce côté. De toute façon, ici, il peut pas trop bouger.
S'il bouge trop, il se retire des libertés et il perdrait les quatre pierres. Donc ce coup, c'est je réponds vraiment merci, quoi. Ça va mieux la lumière, je vais peut-être rouvrir un peu. Non, c'est pas possible. Trop de soleil. Ok. Attends, il veut tuer ça du coup? C'est ça le message? Peut-être sortir ici d'abord. On réveille la coupe ici. En même temps, s'il la protège, il peut être rapidement fermé. De rien, j'ai vu te passer ta chaîne sur le Discord de la FFG et comme je joue peu, je compense en regardant beaucoup. Alors tomber comme ça sur un streamer français qui joue de belles parties. Bah, merci beaucoup à toi. J'ai. Ouais. C'est vrai que là, j'ai vu que sur la scène bah, YouTube ou Twitch en français. Bon, je suis moins fort que les autres, j'ai l'impression quand même, ça c'est sûr. Et bah, ça me fait plaisir ton message parce que la pédagogie de leur côté est très pointue, quoi. Je pense à Râleur, je pense à Mathieu Delizotti. Ils sont très pédagogues. Mais ouais, je pense que ça peut être sympa aussi de voir des parties où je joue tout simplement. Peut-être que c'est un peu moins pointu, mais bon, un Dan, je pense que c'est déjà bien pour les personnes qui commencent, pour voir des choses qui sont peut-être. Pas trop flou non plus. Donc merci à toi. Et bienvenue. Je regarde pas mal aussi ouais, des vidéos sur. Dès que j'ai pas le temps, dès que je suis juste dans le bus ou n'importe quoi, ou même des fois juste comme ça au petit déj. Des petites parties sur YouTube. Très sympa à voir. Ces temps-ci, c'est les parties. La petite série de Stones in the Shell. En partenariat avec Mathieu Delizotti, du coup. C'est toute la série sur attaque-défense. C'est vraiment pas mal là. Je sais pas pourquoi je regarde vers le chat alors que la cam est là. Faut que j'aille bouge, je pense. Ça sera plus pratique. Et du coup, il m'attaque. Et ouais, je m'amuse toujours, t'inquiète, quand je joue au Go. Même si la face, c'est en mode sérieux, mais c'est un plaisir quand même. Ok, du coup, il m'attaque très très lourdement. S'il fait ça, qu'il veut là, j'ai le chichou. On va prendre le chichot, on va pas le bouder. On va pas le bouder. Et ouais, c'est vrai que là, ça ramène une deux personnes. Je vois que ça soit diffusé sur le Twitch de la, sur le Discord de la FFG. C'est bien pratique, puisque là, j'apparaissais sur le Discord de mon club. Voilà, bon, c'est bien pour la petite dizaine que nous sommes. Et sinon, à droite, il y avait marqué quand même stream, blabla. Mais bon, c'est assez discret. Donc ça fait quand même une petite pub pour moi, c'est cool. Et eux, ils sont toujours contents de voir ce sont des gens jouer au Go. Il met Atari ici. Alors, est-ce que je capture? Capturer, je pense. Quand tu peux capturer. Mathieu disait ça justement. Quand tu peux capturer, tu captures. Hein, tu évites le maximum de problèmes. Au moins de ce côté, je me dis, c'est bon. Allez, on regarde ce côté maintenant. Et en fait, s'il met Atari là, tac, il pense à mettre une fois Atari encore. Ok, là je réponds. La forme est dégueulasse, mais cela dit, ça a plein de liberté. Il y a de la marge avant d'avoir des problèmes, quoi. Ok. Il met Atari de ce côté, je monte. J'ai l'impression que c'est bourbier son truc, hein, parce que maintenant là, ça c'est tranquille. Je pourrais avoir les 4 pierres là. Si je joue ici, il peut pas jouer là. Du coup, il réattaque. Ici, est-ce que ça marche son truc? Le problème c'est que, à force d'attaquer, là, il a plus que 5 libertés. Si je vais ici, qui coupe, je prends, il va là, attaque, pas grand chose.
Bien ça, tu parles de... Et là. Bon pour moi. J'ai peur. Hein. Il abandonne. On dit merci. On enregistre la game et on va quand même regarder ce qui n'a pas été, parce qu'il y a sûrement des choses. Merci. Ça fait plaisir là, parce que là, ces temps-ci, je perds pas mal de parties. Donc, gagner contre un Dan, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et là, encore une fois, hein, c'est comme à la partie d'avant. Et là, j'ai peut-être réussi un peu. J'ai eu peut-être un peu plus de réussite ou une meilleure lecture, je sais pas. Mais à la dernière partie, et celle-là, je trouve que c'est un peu semblable. Très agressif. Un peu trop. Là, il en a délaissé ses groupes qui pouvaient faire des gros potentiels, quoi. Mais il voulait à chaque fois. Avoir tous les points et que moi j'en ai aucun. La preuve, en fait, c'est vrai qu'on aurait pu le sentir au début de partie avec son coup en C17 et son coup en C3. C'est je veux les points et après je verrai. Ça fait penser aux joueurs qui commencent avec deux Sansan. Du coup, on repart sur l'écran de gauche, tac. Et on va télécharger la partie. Ça va pas mettre trop de temps. Et je suis encore blanc. Je joue quasiment toujours blanc, c'est bizarre. Ouais, je préfère, mais c'est bizarre. Ça va, ça a été rapide. Donc, il y a eu une période quand même où c'était pas la joie. Hein. J'ai pas su contrer, là, ben, c'est à gauche, là, où j'ai fait de la merde. Moins d'attaque en Kema, là, devait être mauvaise. Ça doit être ça, l'erreur. Alors, première grosse erreur. Baf. Voilà, c'est ça. Un attaque en Kema qui est pas bonne. Ok. J'ai hésité avec ça, hein. J'y ai pensé, mais je me suis dit, ah, en fait, c'est très très dur pour moi de me dire, je vais laisser ces pierres. Si je joue là, je sais pas pourquoi j'ai énormément peur de trucs comme ça. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose de très dangereux s'il fait ça? Qui continue. Ouais, en même temps, ça apporte pas grand-chose. Ouais, il y a un chichot, et ça, c'est pas encore. Non, bon, je lis pas assez. Je ne lis pas assez. Non, là j'utilise la version gratuite. Ils disent ah oui, bon du coup vous avez que 50 coups ensuite. Bon, en gros, si on regarde, bon, à chaque fois, pour chaque séquence, c'est 50 coups derrière. Bon, ça va, hein. Pas besoin de plus. Je comprends pas en quoi c'est. Je vois pas ce que tu peux avoir beaucoup plus en payant, quoi. De toute façon, c'est déjà bien. Hein. Regarde, tu peux être on a plein d'options. C'est cool en vrai. Là, t'as les sauts en vert, c'est pas le meilleur coup, mais c'est des coups qui sont envisageables, quoi. Ça dépend du style. Le A, c'est l'ordi, c'est vraiment le coup optimal. Et orange, c'est une petite erreur, ça va. Là, c'est rouge, c'est une erreur qui est quand même assez conséquente. Et des fois, t'as blunder, c'est vraiment là, c'est les grosses erreurs de partie, quoi. Du coup, si je joue ça. Ouais, bon, j'aurais dû jouer plus souple, quoi. Ici, ensuite, je prends la pierre. Bah, de toute façon, là, ça déroule d'une erreur. Ça découle d'une erreur, donc là, tac, le laisser prendre et prendre l'influence, encore une fois. Et lui, pour la contrer, il y a ça, parce que s'il joue ailleurs, un jour ou l'autre, je pourrais essayer de prendre l'influence, c'est cool. Un gros mur, là, c'est... Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie, mais... Ensuite... J'ai été ici, c'est trop tôt, ok. Juste là. Mon groupe est stabilisé, je suis content. Ok. Et là, bon. Compliqué. Merci encore hein, d'ailleurs à toi, Illumi et Akira, pour le follow. C'est de ma faute, c'est moi qui. Je regarde, je fais là. Ah ouais, tac, et je réponds à son truc, comme ça. En vrai, je fais la taille. Continue, et. Noir, il est vraiment content, quoi. Blanc est vraiment content, je trouve. Ensuite, je peux venir là direct? D'accord. J'avais peur en fait d'avoir... Non, il répond, je pense. Non. J'ai peur d'avoir ce groupe isolé en fait.
sors ma pierre. Non, je peux aller là d'abord. Il prend et je sors ma pierre. Ok, je sais pas si ça change énormément. Si, peut-être parce que normalement, là, il jouerait. Ouais, voilà. Il joue là pour avoir plus aucun problème et pas avoir les problèmes de forme plus tard. Ok, logique. Ensuite, je joue là, c'est trop petit. On peut aller là, ok. Ici, c'est une grosse erreur. Pro, une très grosse erreur d'ailleurs. Ok, je pensais même à ça. La pro, c'est mauvais. Juste sortir là-bas, quoi. Je pensais à un jour sortir ce coup-là aussi, qui est très chiant. Par rapport à ses formes. Mais bon, c'est peut-être un peu abusé. La partie est serrée jusque-là, pro, oui. On va regarder ses erreurs. À lui, quand est-ce qu'il y a eu des mauvais coups? On va juste montrer, du coup... les erreurs, hop. Sa première grosse erreur, la connexion ici. De toute façon, même la coupe, ouais, la coupe, c'est déjà une erreur. Ça sert pas à grand chose. Là, c'est le bon coup, je suis cool. Et là, ouais, bon, il faut que je me contente en fait. De toute façon, il est pas vivant ici, je me contente, je prends les trois pierres. D'ailleurs, là, justement, j'ai gagné une liberté. Tant mieux pour moi, mais c'est prendre beaucoup de risques, quoi. Alors, ensuite il joue là. Bon, allez, il continue les grosses erreurs, c'est dommage. Ok, c'est connecté. Bon, j'ai rien dit. Il sort, je prends. Ok. Ensuite il vient là, je vais là. Il va ici, je vais là. Connect. Connect. Il va là, je vais là. Ah, il doit attendre et trouver des coups ou un truc genre quoi. Là, moi je fais là et c'est fini. Bon, tant mieux. T'as gagné de combien? 25. C'est... Ok. Après, juste à jouer un Sansan et la fin il est parti, fini. Ok. Bon. Hop. On va relancer une petite partie. Il est quelle heure? 15h28, tranquille. Nouvelle partie. Hop. J'attends 2 secondes. Ah, quelqu'un direct. Cool. Betterman. Un Dan. Je vous mets ça tout de suite. Ah, j'ai déjà joué contre lui. Attends, quand ça. Un seul. Il bouge. Joué contre lui récemment. Ouais. C'était. Récemment, ouais, c'était il y a 3 jours que. C'est récent. Il avait gagné par abandon. Ok. Bon, bah, la revanche, peut-être. Aïe, GG. Et je suis noir. L'heure de la revanche. On va aller là. Et on va empêcher son Shimari. En partant du principe que moi, je pourrais en avoir un des deux. Ok. Là, comme il est 4ème ligne, je veux faire un mur, quoi. Je veux dire non. Si je vais là, il peut pousser direct, donc je vais aller là. C'est marrant qu'il fasse pas G18, c'est le coup moderne, je crois. Allez, on attaque. Voilà. Ok. Au milieu. Il hésite. Il state. Si tape au milieu, je monte ici. Parce que je renforce 2 pierres qui sont en Kuzumi. C'est un coup très lent mais très fort. Donc il est déjà très solide, donc c'est pas grave si je renforce. De toute façon, il est déjà très fort. Ah, il veut jouer maintenant ça, comme ça. Ok.
Intéressant. Parce que maintenant, si je joue là et qu'il joue là, bah je monte et je suis surconcentré. Donc c'est intéressant. Et du coup, je vais chercher le combat plutôt. Peut-être une erreur, parce que là, des 8, ça semble facile pour lui. Peut-être une erreur. D8, F9. Il va en B3, en B9. Ok. C'est pour ça qu'il aurait coupé tout simplement. Changer de musique, hop, désolé. Tac. Sur du truc plus tranquille quand même. Plus dans l'ambiance, on va dire. Et il connecte. On va faire un gros mur, hein. Ça va être problématique ça, mais. Il hésite à couper. Je sais pas si c'était la bonne solution de couper. Faire doublonner. Tac. En fait, je veux toujours la connexion de ces deux pierres si je descends ici et qu'ensuite je vais là. Stone Zegoben. Ça va? Est-ce que j'ai besoin de cette pierre? Ça a l'air d'aller, non? Fasse gaffe à cette coupe, parce que là en fait il pourrait menacer ça, comme ça il pourrait prendre la pierre facile. Donc il faut que je renforce par ici, je pense. Est-ce que ça passe pour lui? Tac. Et je vais là. Non, ça passe pas. Et là maintenant je suis peut-être content de faire ça.
Et finalement, c'est lui qui est... Pourquoi oublier ? Non ? Ça va mieux, la lumière. Voilà, on peut pas ouvrir les rideaux, c'est chiant. Ok. Bon. Ici. Oh oui, tout simplement, je pense. Hein, comme ça, on lui retire une liberté, on est bien content. Ok. Bon, au moins je suis vivant. Mais bon. Est-ce que j'aurais pas pu avoir mieux? Il est joli son coup. Très joli, hein. Le coup sur le nez. Très très sympa. Prends ton temps. Réfléchis. Parce qu'en même temps, si je vais là et qu'il monte... Ah, il va peut-être couper. Non, c'est trop. Qu'il monte, du coup... Ah, je suis quand même content. En montant, j'ai quand même la forme d'année à la tête de pierre et tout. Développe un bord. Certains des liens ne fonctionnent pas. Ah putain, il faut que je regarde. Ça fait un moment. Oula, il m'a déchiré, non? Pas très contrôlé, je pense d'ailleurs. Pas sûr que ce soit incroyable. Cette pierre, je m'en fous, par exemple, quoi. Parce que là, il est pas très content de la forme. Ouais, je pense qu'il est pas très content de sa forme, là. Surtout que là, ça réveille à n'importe quel moment, le tournant ici, ou n'importe quoi. Ouais, du coup, il essaye d'être greedy, un peu. Ouais. Non, on va jouer sage. On va jouer sage maintenant. Là, c'est lui qui avait un mur blanc. Il y avait un groupe noir un peu instable. Maintenant, on refait un mur noir et finalement, c'est un groupe blanc qui est instable. Je vais attendre ça et chercher des trucs par là. On peut pas gérer les deux côtés en même temps. Si. On va juste répondre gentiment. Beaucoup, beaucoup de combats dans les parties aujourd'hui. Ah, il veut tout. Ah. Il veut tout. Si je vais là, ça le force trop à faire ça. Pas envie, en fait. Nul en fait de faire ça. Il peut juste aller là. Ça servira en fait à rien.
Donc en fait, ça sert à rien ce que je pense depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Ouh, c'est chaud. Ah, c'est peut-être un peu chaud ce que j'ai prévu là. J'ai l'impression que c'est pas fou ce que je fais. C'est pas incroyable. Cela dit, on est sorti. Mais on a donné beaucoup. Beaucoup trop. Ah, la partie est pas très bonne, je pense. Il est gourmand quand même, hein, par contre, ça c'est sûr. Il est gourmand, mais si ça marche, tant mieux pour lui aussi, hein, c'est sûr. Faudra que je regarde à force, par contre, ici, parce que la forme ici, ben, est-ce qu'un jour ou l'autre, est-ce qu'il sera vivant? Bon, après, c'est peut-être un peu gourmand de penser à ça, mais. Et en vrai. Rien, y a rien. Ah là 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 là, ça va être compliqué cette partie. Ah ouais. De points, c'est kiff kiff, hein. Mais ouais, j'ai toujours mes deux Kumo Kubes intouchés. Marche, bah ouais. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Depuis tout à l'heure, j'avais lu que ça marchait pas, ça. Oh là là. Bon, un peu plus compliqué du coup maintenant d'envisager des trucs. Juste se casser. Je suis en train de faire de la merde, non?
Il va jouer ce coup. Même pas, ok. Aïe aïe aïe, la partie est compliquée. On prend la place. On prend la place qu'il y a. Elle est bien plus compliquée que la précédente. Mais la dernière fois, il me semble que j'avais hyper galéré face à lui et j'avais abandonné assez rapidement. Son style est hyper bourrin, quoi. C'est. Ouais, maintenant il veut tout ça, quoi. Il reste des faiblesses hein, pour lui, donc c'est dangereux de trop jouer avec ça. On va juste couper. Certes, il prend le coin, c'est gros, mais en même temps, s'il prend tout ça, c'est bien plus gros. Oh, je fais vraiment de la merde, hein, par contre, là, je pourrais réfléchir au moins à ça. Je pourrais quand même réfléchir à ça. Il l'a vu, il y a beaucoup beaucoup de faiblesses. Bon, du coup maintenant je peux revenir là, et sa forme est un peu dégueulasse, on peut le dire. Juste aller là. Hein. Il a bloqué en fait je pense. Ok. Ouais. Dit que j'ai assez de points.
Ouais, si, si, pour tuer. Pense pas, je pense pas. On a joué super vite, hein, là-bas. À 30 minutes à la base, il reste 20 et 15. Tiens, je peux changer ça d'ailleurs. Il y a beaucoup d'edgy, je pense que rien qu'avec mes coups des 14 tout ça, ça peut vivre. Ok, il est pas de cet avis. Je réfléchis. Pas d'autre choix que de faire ça. Et il tape de partout. Maintenant, si je fais ça, il est au-dessous, je pourrais. Mais prends ton temps. J'ai du temps de jeu. La partie, elle va pas durer 30 ans non plus. Profite. La mission pour la partie, ça a vraiment été tuer, quoi. Et moi, défense, défense, limite. Attends, je meurs là, chier. Ah putain, je perds sur ça. Bien, il a bien lu, bien mieux que moi. Ah, c'est con. Déjà peut-être. Dur. Dur, 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 cela.
Je vais la regarder sur... sur Ainsensei. Hop. Ça, et on est bien. Alors. Il y a eu énormément d'erreurs, ok. On a très mal joué. Ah, la partie a été... Bon, est-ce que ça vaut le coup de commenter ça? On va voir. Alors, première grosse erreur, c'est moi ici. Je peux aller là, mais si blanc coupe. Oh, il a quand même l'extérieur, ouais. Ouais, ok. C'est juste que là, je m'écrase trop, quoi. Ensuite, j'ai... Non, il a été là, et il devait aller là. Ouais, ça me semblait logique, et je pense que je réponds un coup. C'est ce que j'avais à peu près lu. Je pensais que ça se passerait comme ça. Mais lui, il a décidé d'aller là, où j'ai été ici. Et j'ai pas besoin de continuer, ok, je force trop. Si je fais ça, en fait, quand il va là, je vais là. Quand il va là, bah je vais là. Ok. Ici, il va y là. Et je continue à pousser, c'est une erreur. Il y va. J'ai encore ce coup-là. Ouais, là, j'ai augmenté la valeur de son mur avec ça, je pense. Après, oui, c'est beaucoup trop important de jouer avec ses pierres. C'est trop gros, ok. Donc, ensuite. Ouais, tous les coups sont mauvais, en fait. C'est dur de commenter ça, tous les coups sont mauvais. Si ça me semble mieux. Bah ouais, comme ça peut connecter les deux groupes. Juste de taper sur ça direct. Voilà. Et là. Et tant pis pour les deux pierres. Et voilà, ça respire. Ouais. Dans ma tête, j'étais toujours assis. À un moment, je peux tuer ça. Mais pourquoi tu penses à ça? C'est... Jamais tu tues ça. Et de toute façon, il faut pas partir de l'idée qu'on va tuer. Aïe, 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 aïe. Et là, je prends mes points, quoi. Ouais. La partie est un peu équilibrée. Il vient ici. Je vais là. Il va là. Ah d'accord, c'était mauvais de faire ça. Quand t'as dit ouch du coup stone tout à l'heure, c'était que mon coup était mauvais du coup. Il fallait pas faire le kema déchiré. J'ai l'impression que c'était pas mal de déchirer ses formes. Après ça a pas trop marché, on a vu. Je dois reculer selon eux. Juste profiter de faire l'équivalent en face quoi. Et là je suis content, je fais plein de points quoi. Ok. Si je connecte là, qui va là. Ouais. Il connecte, en fait, je suis content. Et je fais pas mal de points. C'est vrai que pourquoi j'ai pas joué ce coup d'ailleurs. Vraiment gourmand, et lui, du coup, il s'empresse de les couper. Quand tu peux connecter tes pierres, tu les connectes, c'est tout. Hop. Tout cool pour noir, tout ça. Ok. Ensuite. Il a été attaqué direct là, j'ai connecté, il va là. Ouais, j'ai pas fait un beaucoup. Là, je me suis enfermé moi-même. Là, il répond ça, il est bon, ok, on t'enferme, c'est bien. Qu'est-ce que je devais faire? Chercher les points de coupe. On a eu à peu près cette situation plus tard. Sauf que j'ai pas pu jouer cette. Ok, il cherchait du combat. Parce que plus tard, on a eu. Mince, ça prend. Bah voilà, c'est juste là. Et je vais là, tac, tac. Sauf que je peux pas jouer ce coup-là. Et lui, il peut l'avoir. C'est dommage. Vite, je vais là. Je peux aller là? J'ai mal à saisir l'intérêt. J'ai rien gagné dans l'histoire. Comme je suis mort. J'ai pas compris pourquoi il fallait jouer ses coups. On s'enlève des libertés. Bizarre.
comprends pas. Il y a beaucoup de... Voilà, il y aura erreur quasiment chaque coup, en fait. Bon, on a fait de la merde ici. Et je regarde juste à la fin, du coup. À gauche. Voilà. Alors. Il m'attaque. Ok, ils disent toujours de faire ça. Pas dans le même sens. Tac, tac. Ok, pour vivre, tout simplement. Par contre, ils disent de continuer. Je comprends pas. Si je fais ça... Je comprends pas ce que j'ai gagné dans l'histoire, là. Juste le faux œil, comme ça, il aura moins de manœuvres. C'est assez dur à voir, je trouve. Bref, il va là. Je vais là, il va là. Tac. Il va ici. Ah bon, ça les sauve, là, ce coup-là. Beaucoup de lecture, je pense. Ok. Ouais. D'ailleurs, ici, on a vu du coup l'erreur que j'ai fait plus tard. Ah. Je suis mort, alors que si je fais ça, il fait la descente dans le même sens. Ben, j'ai vivant. Donc, à trop vouloir jouer des coups un peu plus stylés ou n'importe quoi. Ben, ça marche pas, t'es mort. C'est con. Faut jouer simple et solide quand on est en danger comme ça. Ah, c'est dommage. Parce que si je vis... Goûter, mais je suis vivant. Ben... La partie est encore serrée, quoi. La partie est encore serrée. Bon, c'est comme ça. Et hop. Ok. Je vais faire une pause de secondes et je reviens dans 5 minutes. A tout de suite.
Heureux. Hop. Désolé pour le petit moment. On va relancer une game tout de suite. Hop. Et voilà. On va relancer l'automatch, je pense, tout simplement. Pas grand monde sur KG cet après. Ah, c'est bon, j'ai une partie. Voilà. 10 minutes chacun, c'est assez court par contre. On va voir comment ça se passe. Trop l'habitude de jouer les parties courtes comme ça. Si. Je sais pas si ça se joue encore beaucoup le Kobayashi. Ah, il approche pas. Ok. Non. Il va le faire aussi? Ah non, il vient maintenant. Okay. Salut Jiraya, bienvenue à toi. C'est assez souvent regarder ton stream, toi. Sympa. Après, toi, tu fais en anglais, c'est ça? Tu fais pas mal de Tsumego, tout ça, c'est pas mal. J'aime bien venir, je parle pas trop, ouais, mais je regarde et j'écoute un peu ce que tu dis. C'est intéressant, je trouve. C'est une autre approche, quoi. Ouais, je vois quand il y a des personnes qui commentent en français, tu réponds voilà volontiers quoi, bien sûr. Ça me donnerait pas envie de couper tout ça. Des pierres aux alentours, donc ça peut pas être mauvais pour moi. L'impression que j'ai pas fait le bon coup là ici. C'était pas ça? Bah pourtant là j'ai l'impression que je me suis fait avoir. Parce que là je peux pas jouer ça, il coupe. Bizarre, j'ai l'impression de me faire avoir quelque part là. Et si je joue ça, bah il vient m'écraser. Comme ça peut-être. Bizarre. Si je vais là, après je peux aller là. Ça va lui poser problème. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc à voir comment on punit. C'est ça le problème, c'est savoir punir à chaque fois, qui est compliqué. Oui, voilà, oui aussi. Parce que je suis en train de regarder, c'est un truc dégueulasse, c'est même si je joue N3, qui pousse ici, je descends là, il peut pas me couper, mais c'est dégueulasse. Cela dit, je suis connecté. Je suis en train de regarder, mais cela dit,
C'est des parties. J'ai fait des parties longues juste avant et là c'est une partie courte. Et c'est chiant de pas avoir le temps en fait. J'aurais peut-être pas dû accepter son truc. Enfin, pour me demander plutôt. Quand je joue là. Y aurait ça. On y aille. Je vais là, ça marche toujours le kiki. Ouais, c'est un peu pénible. Là, je sais même pas combien de temps t'as de BMI, 3 fois 10 secondes. 5 fois 30 secondes. Ok, ça va pas du tout avec le temps principal 10 minutes, c'est marrant. Tant mieux pour moi. Ça marche encore, ok. Pour l'instant, ça va. Et du coup, il essaye d'insister. Ouais, et comme ça, maintenant, ça marche l'écrasement. Ouais, ça va finalement. Je m'y attendais pas à ça. Maintenant, on a envie d'aller là, mais du coup, il va couper. Je pense que je me suis fait avoir. Hein. Je pense que je me suis fait entourlouper. Et si je vais là, bah il s'en fiche et il m'écrase. Aïe aïe aïe, et là il coupe. Je me suis fait avoir quelque part. Ok. Si je vais avoir un problème rapidement. Il va là, tac, il coupe. Si je vais là, je lance le chichot. Et vers là. Ah c'est ça. On est parti sur un truc compliqué quoi. Pense que là c'est un peu à l'avantage de blanc parce qu'il y a la coupe ici qui pourra se réveiller à n'importe quel moment. J'ai envie de jouer ça, mais c'est super lent. Et il va de ce côté. Peut-être dû jouer quand même parce que ouais, cette forme c'est pas l'idéal. Ouais, la fameuse la séquence.
plus ça c'est déstabilisant parce qu'il joue hyper vite quoi. Ouais, mais juste avant de lancer, je voyais qu'il y en avait pas mal déjà et j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que normalement, il y en a deux, quoi. Après, il y a en mandarin, il y a en anglais, en allemand, des trucs genre, donc ça va, mais ouais, très surprenant quand même. Bon, il s'est fait un sacré mur, hein. Penser. Cent quatorze. Ah ouais, il y a des gros, il y a des gros streamers du coup. C'est par là. Ok, d'accord. C'est marrant qu'il le pousse pas une fois d'abord. Bizarre, même je dirais plutôt que marrant. Oh, quelle brute. Incroyable. Il prendra ses deux pierres, mais je m'en fous en fait. Parce que t'es déjà vivant là, t'es vivant là. Prends tes pierres si tu veux. Mais là, tu me laisserais un CNT incroyable, quoi. Et il peut y avoir des problèmes dans le coin. Ouais, c'est ça. Et moi, et lui, sa chance, c'est que moi, je lis, mais je lis mal. Pas fou, mais je pense que je vais faire ça parce que sinon ça me fait extrêmement chier qu'il aille à l'intérieur. Enfin, est-ce que ça me fait si chier qu'il va à l'intérieur que je fais ça? Tac, et je protège. Non, ça va en fait. Ce qu'il y a, c'est que ouais, ce coup là, il aurait dû avoir. C'est pas tuable ce truc? Un peu de la séquence, mais je crois que c'est tuable. Ok, bon, le nevermind. Principe, bah, c'est bizarre parce que là du coup non, mais peut-être grâce à la pierre là, en même temps elle est toujours là cette pierre. Bizarre, je sais pas si j'ai fait une connerie. Putain, mais il est gourmand par contre, ça c'est incroyable. Il veut tout. Il veut tout et il pourrait crever en hein. Ouais, tout vouloir par contre. Allez là. Oui, enfin, il est là quoi. E8, O18, pardon. 18, E17. Ouais, c'est le. Ça, quand je l'ai joué, je me suis dit, ah mais non, c'est sur le Joseki de Sansan, ou c'est comme ça. J'ai pris. Ah, j'ai inversé un peu les rôles. Ouais. Et là, ça crée beaucoup de problèmes. Je pense que j'aurais pu tuer sinon. C'est dommage. Bon, par contre, ici, cette pierre, je vois pas. Là. Oh putain.
C'est chiant, il y a de plus en plus de joueurs comme ça, c'est dès que tu fais un truc, ils vont pile dedans en mode non, non, ouais, mais construis tes propres trucs toi aussi. C'est dommage du coup d'être coupé, finalement. Là, je pouvais encore tuer. Non, non, avec ça, quand il allait là, en fait, il y avait la menace de capturer ici, de prendre les pierres là, non? Ou alors je pouvais jouer ça tout simplement, peut-être. S'il fait chier quoi. Il détruit tout mon truc. C'est là où je suis nul quand même, je trouve. C'est que je fais un gros territoire, c'est bien pour moi. Et bah il détruit tout quand même quoi. Alors que c'est clairement abusif, ça se voit ses coups. Et j'arrive pas à punir. C'est chiant. Très frustrant plutôt. Et il a utilisé 3 minutes 30 de jeu, quoi. C'est insupportable. C'est des coups pour les Steam, je trouve, quoi. Tu te dis, en fait, je sais pas jouer, quoi. Il peut faire ça tranquillement. Aïe. Il se complique la tâche, non? Ouais, je sais, je sais. Sur le moment T, c'est compliqué, quoi. Je pense que là il fait des conneries. Il est quasiment deux dan, lui.
L'adversaire, c'est typiquement ce que j'aime pas dans les parties internet. La partie, c'est juste punir les arnaques de l'adversaire. Oui, normalement. Si tu arrives en plus que. Que le problème, c'est qu'une fois sur deux, tu n'y arrives pas et du coup, tu perds, c'est super frustrant. Tu sais que l'adversaire a pas bien joué. Typiquement, là, la première partie que j'ai jouée, c'était vraiment un gars qui abusait pas mal sur l'attaque. Et à la fin, bah, j'abandonne, ça fait connerie. Tu dis merci, lui il se casse, il est comme ça, il est content, il enchaîne quoi. C'est dommage parce que le go favorise pas cette mentalité, je pense, normalement quoi. Après, c'est Internet. C'est Internet. Avec pas de bol, après qu'il meurt partout, il essaie de gagner du temps. Autant, oui, ça. Sacrée mentalité, quoi. Et là, il est vraiment en train de chercher l'arnaque, quoi. C'est. Peut-être répondre un coup d'abord et après là, ou si je vais là maintenant, si je vais là, je vais là. Je sais pas, peut-être que je dois aller là. Tous les jours, on coupe ça. Même s'il vient ici, quoi, je vais là. Au-dessous. Là, il est en net. Là. J'ai l'impression que je peux me permettre. Comment on sort de ce truc? Ça. J'ai l'impression que si j'aurais la forme en 4. Ok, c'est pas ce que j'ai lu. Oh, ça va demander un effort, putain. Ah, oh, putain. Sacrée lecture. J'ai plus de temps, putain, le chur. Ouais, l'arnaque fait chier, quoi. Quel enfoiré, quoi. Jouer sur le temps, quoi. Ouais, il donne des points plus qu'autre chose. Je t'avoue, s'il avait perdu sur le temps, par le temps, par ça, là, c'est un peu chiant. Oui.
Maintenant, ça commence à devenir plus douloureux ici. Petit à petit. C'est là où je regrette d'avoir laissé tomber ça. Après, j'aurais pas pu faire autre chose. Mais ça aurait fait pas mal de groupes incertains. Il est en recherche de la prochaine arnaque. Là, il se dit merde, y a plus trop d'endroits là. On va jouer ici. Ouais. Ah, il va couper. Ok. Et du coup, il veut isoler ça et voilà quoi. Ok. De toute façon, tu es vivant sur place en jouant ça. Donc, je vais d'abord faire ça. Maintenant, je vais là. Là, ça marche plus ton truc. Ça me semble gratuit. Là où on voit vraiment le problème, c'est qu'il attaque avec des groupes instables, faibles et tout, c'est pas très sérieux. Il va réussir à crever ici, hein. Si je joue là par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est très bon pour lui, c'est pas le timing, mais oula, par contre moi non plus c'est pas le timing de parler de ça. Oui, je discute, et là je regarde à droite, je vois 8, 7, Connexion par double au gamma. Pas dit que ça soit incroyable. Allez, j'ai un œil. Enfin, un deuxième. Bon là c'est peut-être moi qui abuse en pensant à la coupe. Allez là. Oh forme de merde. Forme de merde. Ok. Ah non, c'est nul ce que je fais. Ah putain. Brûle. Il va réussir à m'avoir là. Après, il donne beaucoup pour avoir ça. Que c'est toujours sauvable.
Ça, c'est la question. Je peux sérieusement tenter quelque chose. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est condamné, ça. À moins que... Là. Voilà. Et si je vais là? Voilà, en fait. Alors ça, là, j'ai pas le temps de réfléchir. Ça, et s'il joue ici? Un piège. Bon, je vais là. Ouais, là, je fais des pièges aussi, là, c'est bon. Et s'il joue là, bon... Voilà, tac. Oups, en fait, il y a ça. Donc, c'est un truc qui marche à peu près, donc c'est pas non plus piège. Ah. Oh, je peux désauver un petit peu si je joue là. Il capture. Et moi, je descends. Ça vaut mieux que rien. Hein. En vrai. Deal. C'est pas très beau. Mais ça passe. En plus, ça menace de capturer les 4 pierres. Ouais, voilà, ça. Moi, je suis pas mort. Je perds 4-5 points. Bon, après. L'histoire ici. Mais bon, le but, c'est pas de tuer non plus. Et je vais peut-être finir santé. Bon, il fait la taille. Je réponds. Et ouais, si, je vais finir santé. Il reste un très gros Yosé ici. Oh putain, ça c'est tellement abusif quoi. Eh, regarde, il va y avoir un coup. Regarde d'ailleurs. Tac, tac, tac. Bon, et on le joue. J'ai pas envie qu'il me. Sauf que là, maintenant, il y a ça. C'est lui qui se retrouve couillonné en fait. Donne-moi ça. Dommage, t'aurais voulu le coup. Non, si, si, il avait joué sa pierre ici. Ouais, je capture, mais... Après, il trouvera une grosse menace, quoi. Ah, c'est marrant qu'il ait pas tenté le... Oh, tant mieux pour moi, je vais pas me plaindre, mais... Là, ça fait beaucoup de points, quoi. Si je faisais le 7, je sais pas si j'avais le timing parce que. Si, je pense, oui, si, t'as raison. Ici. T'as raison, t'as raison. J'ai un peu reculé, un peu peur. Ouais, il veut sauver ça, du coup, c'est legit. On va juste aider cette pierre. Lui, il joue et après il réfléchit. C'est un concept. Ah non, il te manque une liberté. Dommage. Ah maintenant, il me retire une faiblesse. Je suis installé comme un sagouin. Ok, donc il tente quand même. Je joue là. C'est toujours. Ça passe pas. Hein. Ah! Dans ce sens-là, bien vu! Bien joué! Bien joué, bien joué, j'avais pas vu. Ah, c'est gros quand même. C'est gros, c'est gros. Stress, ouais, solide, ok.
Oui, bah, je réponds là, oui. Putain, je suis parti complètement ailleurs. Éprouvant de cette partie par contre. J'ai plus de temps. Dur de trouver quoi jouer là quand t'as plus de temps. Si je vais là. Attendez, cette pierre en fait du coup. S'il va ici. Fais des conneries là. Oh putain. Ça m'énerve, putain, je fais des... Ça m'énerve, les coups abusés jusqu'au bout, ça m'énerve, putain. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule, quoi. Ouais. Classique, classique. Sauvegarde. Je vais regarder. Mais ouais, très rageant, quoi. Très, très rageant de perdre ça. Ça fait toujours chier. Alors, toc toc toc. Oh là là. C'est rageant, putain. À la fin, il se sentait bien là, il jouait plus vite, là, il se sentait bien. Ah, il va faire une connerie, il va faire une connerie. Berserk qui répond même pas merci. Je suis devant tout le long et à la fin il gagne. Ouais, là il est devant de 20 points. Je suis devant. Tout le long de la partie, je suis devant et il me bat juste à la fin. Oh là là. Moi j'ai pas trop envie de regarder le review en fait. Là 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 là.
J'ai eu que des gars super agressifs aujourd'hui, celui-là. Incroyable. Ouais, bah là, ça se voit, hein, c'est juste, je domine, et à la fin, ah, t'as fait une connerie. Bon, tant pis. Tant pis pour moi, j'ai qu'à être plus vigilant aussi. Bon, je vais arrêter là, je pense. Merci encore aux deux follow, si vous êtes encore là. Pardon. Oroead et Illumi Akira. Merci à vous deux. Et du coup, je vous dis, on est quel jour? On est vendredi. Je vous dis à lundi soir, du coup, à 20h, s'il y en a qui sont motivés. Ouais, la prochaine, Jiraya. Bon week-end à tous. Salut!